Nous voici avec une petite grappe de carambes hein, qui suivent Mathieu, leur tonton. Pourquoi ils suivent Mathieu? C'est parce qu'il leur a donné envie de découvrir et de participer. Il leur a donné de la chaleur et de l'affection et ils ont envie de participer à des jeux. Des jeux, un travail, faire des performances, passer par-dessus un talus par exemple. Et là, il y a 28 petits chauds de 2 mois. Bravo les petits carambes. Et les bébés. Là, on leur a fait jouer avec des plumes de pigeons. Et les mignons. Voilà, donc la participation, l'envie de découvrir, de participer, est déclenchée par l'instinct de course à la poursuite. Le mouvement, qui est une source intarissable de choses à découvrir. Ces petits chiens donc ont été, si vous voulez, donc connectés, ou une base de connexion en leur donnant de la chaleur et de l'affection. Donc depuis l'âge de 3 à 4 semaines avec mes assistantes Patricia et Angelina. Et là maintenant, lorsqu'ils ont 8 semaines, c'est le tour de Mathieu le tonton qui s'en occupe. Et là, il leur éveille l'instinct de prédation en leur faisant jouer avec des doudous. Et c'est l'étincelle qui fait allumer le feu et ouvre toutes les portes, autres portes, des qualités naturelles de base transmises par les parents. Donc si le chien n'a pas envie de crocher dans un doudou, il n'a pas envie de crocher dans les plumes ou les faisans ou les berderies, eh bien il n'aura pas envie aussi de se servir de son nez pour essayer de les trouver ni de les arrêter. Voilà, donc c'est l'étincelle qui fait allumer le feu, réveiller l'instinct d'abord de prédation. Bravo les petits carambans qui sont encore... Non, je crois qu'il là, il est peut-être plus leur maman, mais depuis peu. Hein? Ouais, depuis peu. Hein? Allez, hop, prochaine étape, ils vont donner des coups de nez sur des pigeons entrevus. Voilà, ils restent autour de nous. Et en fait, ils sont aimantés par une attirance de vouloir faire encore une discipline ou un jeu ou passer une performance. Voilà. Ils sont en train de demander à Mathieu et tonton, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bébé. Voilà. Eh mignon, oui, on va travailler.